Hello! Bon, alors là, on est dans un champ de thé matcha où je voulais te montrer qu'est-ce que c'est que la récolte à la main. Donc, alors, viens voir. Connais-toi! Konnichiwa, dostano? Doitano? だって兄ちゃんこの3回目でまたどうしたの3回目でどうしたのって言ってやね It's me again. Donc là, tu vois, regarde. En fait, ici, on voit que les tiges, elles sont. On a retiré les premières feuilles d'en haut. Donc ici, c'est un champ où, pour le coup, ce champ-là, il n'est pas en bio. Donc ce n'est pas un champ qui fournit mes produits Kumiko Matcha. Mais je voulais quand même te montrer à quoi ça ressemble quand c'est récolté à la main. Donc, on va regarder. En tout cas, ce champ-là, il fait du matcha conventionnel, c'est-à-dire du matcha qui utilise des pesticides et des engrais chimiques. Mais ici, au Japon, le bio, en fait, c'est encore très très peu connu. Et donc, les Japonais, eux, ils consomment du matcha qu'ils appellent conventionnel, c'est-à-dire non bio. Donc, c'est pas vraiment ce que je supporte, mais je voulais te montrer qu'est-ce que c'est quand on récolte à la main. On va aller voir l'une d'entre elles. Donc là, les femmes qui récoltent, parce que c'est principalement que des femmes, il y a un homme là-bas, mais c'est principalement des femmes. En fait, c'est des femmes à la retraite de la région qui ont comme un petit job saisonnier, quoi. Et donc, tous les ans, c'est à peu près les mêmes, plus ou moins, qui font la récolte. Parce que là, donc on est en mi-mai et c'est le moment de la récolte. Généralement, sur ce champ, on m'a dit que là, c'est la première récolte. Donc, c'est-à-dire que la première récolte, elle est faite à la main. Attends, on va essayer d'aller un petit peu dans le champ là. Pour te montrer derrière moi ce qu'elle fait. Donc, la première récolte, elle est faite à la main. Et une fois que tu vois les tiges qui sont là, arigato, arigato gozaimasu. Donc après qu'il est tout cueilli, il rase le champ. Et tu vois là, la hauteur des plants, c'est à peu près, ça m'arrive à peu près là. Donc ça fait à peu près 1 mètre, quoi. Certains champs qui font qu'une seule récolte par an, ils rasent ensuite le plant jusqu'à à peu près 10 cm, tu vois. Il le taille en gros. Bah là, en gros, on est pour te faire le petit résumé. Ça, tu vois la différence, c'est une tige où on a pris les feuilles qui sont dessus. Et juste à côté, ici, c'est une tige qui n'est pas encore récoltée. Donc il y a 3-4 feuilles qu'on va prendre dessus, tu vois. Et c'est des feuilles qui sont très très vertes, qui sont très très douces et fines. Et parce qu'elles sont le résultat, ça au-dessus de moi, c'est un filet qui fait de l'ombre. Et donc là, on a eu un process d'ombrage pendant à peu près 3-4 semaines. Et ça a fait que la plante, elle a été en état d'assez gros stress. Et donc, en fait, genre, elle donne tout ce qu'elle a, quoi. C'est en mode, on donne tout ce qu'on a. Et je pense que ça, c'est... On va aller voir ce qu'ils font là-bas. Et donc une fois que. Et en fait quand la plante elle est en mode je donne tout ce que j'ai, et ben elle crée, elle prend toute son énergie possible de la terre. Et dans ce cas ici aussi, faut pas le dire trop fort, mais des pesticides et des engrais. Car ce n'est pas un champ bio, je précise. Et elle commence à faire de nouvelles petites jeunes pousses. Donc là, on est déjà à 3-4 semaines d'ombrage. Donc les jeunes pousses, maintenant, tu vois, c'est des grosses feuilles, hein, comme ça. C'est ce genre de grosses feuilles. Mais donc, la plante, elle crée plein plein de jeunes pousses, jeunes feuilles. Et du coup, ça fait que ça crée des feuilles qui sont jeunes, et qui sont tendres, et qui sont douces. Et aussi, elle se charge de chlorophylle.
de chlorophylle. Elle se charge de... C'est là, à ce moment-là, que sa composition chimique, elle change. C'est-à-dire qu'elle change en ayant plus de... plus de... Comment dire ? Chlorophylle, L-théanine, acide aminé, catéchine, AGCG, tous ces ingrédients.